On m'appelle grosse patate. On m'appelle comme ça parce que j'aime manger. Quoi rêves-tu? Je rêve que je mange un énorme gâteau au chocolat. Mais à l'école, on t'appellera encore grosse patate. Je sais bien que je suis pas belle. On a raison de m'appeler grosse patate. Aujourd'hui, c'est la rentrée. Dans ma classe, il y a Rosemary. Rosemary, c'est ma meilleure amie. Des tas de mots se bousculent dans sa tête, elle veut crier. Mais elle préfère se taire et sourire. Je crois bien que Rosemary, elle veut qu'on l'aime. Grosse patate. Rêve que Rosemary parle. J'adore lui mettre des baffes. Ça me détend. Hop. Une claque. Il sait pas se défendre. Quand on fait la chasse à Rémi, je suis heureuse. Grosse patate rêve que Rémi a une ombre de petite fille. Rémi réfléchit. Mais qu'est-ce que je suis, moi? Un garçon? Une fille? Est-ce qu'on peut pas être les deux à la fois si on veut? On a le droit. Hubert, j'aime le regarder comme si un peu de sa beauté s'échappait de lui. Il me recouvrait comme de la poudre de perlimpinpin. Rosemary est amoureuse de Hubert. Hubert, ruban, ruban le rugby, ruban le cul. Je sais que je vais tomber amoureuse de Hubert. Tu n'es rien qu'une grosse patate. Tu n'es rien qu'une grosse patate. Tu n'es rien qu'une... C'est disputé avec Rosemary. Rémi m'a confié qu'il était amoureux de Hubert. On est comme trois moineaux gelés sur une branche. Je suis amoureuse, que je mange. C'est trop embêtant de m'émanger. Badum, 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 badum. Ça finit toujours par se voir. Aujourd'hui, la maîtresse nous a donné des devoirs très difficiles. J'ai pris les tomates, je les ai multipliées par les bananes, moins le poids de l'épicière. Et plus que je pesais. Et j'ai multiplié le tout par le nombre de baignoires de l'exercice précédent. Elle se dit que la vie, ce n'est pas comme les mathématiques. Moi, je pense à maman. On est allé déposer des fleurs pour elle. Elle me manque. Je vais être moche. Encore plus moche, toujours plus moche. Et la plus moche, et la plus moche. Je voudrais m'enterrer et disparaître. Ne plus être rien. Rejoindre maman. Grosse patate se dit que finalement, ce n'est pas si simple de s'aimer soi-même que d'inconvénients. J'ai pris une résolution. Je serai vraiment gentille, même avec Rémi. Je me sens légère. Continuerai de parler et nous nous sentirons tous légers. Et un jour, ce sera bien d'être quelqu'un.